Attendez, est-ce que vous imaginez qu'on sera dans les manuels d'histoire de nos petits-enfants? Tout comme nous avons appris celle de nos arrière-grands-parents. Une crise, sanitaire certes, mais une crise. Nous leur expliquerons alors ce que c'était de ne rien faire en mode confinement. Alors, nous, les adultes de demain, on a décidé de faire les choses bien, comme des cracks. Ces fameux citoyens responsables actifs, critiques et solidaires. On respecte le confinement, on évite les achats en ligne qui enrichissent les sociétés, mais qui au final ne respectent ni l'homme, ni la nature. On fait attention à notre environnement. Forcément, c'est pas facile, mais en étant un peu créatif, on peut y arriver, y trouver du plaisir et par nos vidéos, vous les partager. Salut! Pour passer un meilleur confinement, j'ai décidé de tester un tuto. On va fabriquer un porte-téléphone à l'aide d'un rouleau de papier toilette vide. Tu ne risques pas d'en manquer vu les circonstances. De 4 punaises, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et d'un marqueur, de papier collant, d'emballage cadeau ou de papier décoratif si vous en avez, c'est mieux. Et pour finir, d'un cutter. Tu commences par dessiner le contour de ton téléphone. Faites un peu plus large hein, pour être sûr. Voilà, c'est très propre. Ensuite, tu découpes au cutter. Bon, ah, j'ai un petit peu fait ça de travers, c'est pas grave. Ensuite, tu le recouvres de papier cadeau ou de papier collant décoratif. C'est même mieux du papier collant décoratif que du papier cadeau, mais moi j'avais pas. Là, ici on ferme les bords comme ça. Si moi je peux le faire, alors vous pouvez le faire aussi. Hein. Bon, ça devrait ressembler à peu près à ça. Ouais, vous faites la même chose du côté. Quoi. Voilà. Là, on a découpé précédemment. On doit faire une marque. Hop. Je crois que c'est à peu près ça. Donc après, tu coupes ici au cutter. Hop. Ah. Voilà. Puis, on doit faire comme ça. Et donc, on rentre le papier cadeau à l'intérieur. Et alors, on va prendre du papier collant et coller le surplus à l'intérieur. Voilà, on obtient ça. Ensuite, tu plantes tes 4 punaises pour en faire des pieds. Voilà. C'est fini. Alléluia. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, je vais retourner m'ennuyer et je te dis à bientôt.